Bonsoir, donc, je me présente, docteur Marie Husson. Je suis responsable de l'unité de neurologie de l'enfant et de l'adolescent du CHU de Bordeaux et je travaille particulièrement autour dans l'accompagnement des enfants avec troubles des apprentissages, troubles du langage et troubles 10 dans le cadre du centre du langage de l'enfant. Donc, je remercie la librairie Mola en partenariat avec le CHU de Bordeaux de me donner l'occasion de présenter un petit peu ce que j'aime apporter pour ces enfants-là. Essayer de faire un petit peu une mise au point, ce qui est difficile en trois quarts d'heure, donc je vais essayer d'apporter des éléments. Donc comprendre et accompagner les troubles 10. Il faut savoir que 20% des enfants ont des difficultés scolaires. Les causes, elles sont multiples. Et seulement, finalement, 6 à 8% de ces enfants ont un trouble 10, qui correspond à un enfant par classe. Donc c'est important d'avoir cette notion, parce que ça veut dire que tous les enfants en difficulté scolaire ne vont pas avoir un trouble 10, et donc il faut bien arriver à faire la part des choses et les prendre en charge correctement. Alors les 10, qu'est-ce que c'est ? Du grec, 10 veut dire « c'est difficile ». En médecine, 10, ça désigne une difficulté d'acquisition d'une fonction. Donc, tandis que quand on utilise le A avec la fonction privative, ça désigne la perte d'une fonction préalablement établie. Donc, on opposera, par exemple, un trouble de développement du langage oral ou dysphasie, qui va finalement empêcher l'enfant d'acquérir correctement un langage oral, à l'aphasie d'un sujet qui a déjà un langage oral bien développé et qui, par un accident vasculaire cérébral, par exemple, une lésion cérébrale, va perdre la fonction langagière. Cette notion de neurodéveloppement, je vais y revenir longuement et ça me paraît important. En tout cas, tous les troubles 10 ont en commun des répercussions sur les apprentissages et vont entraîner des difficultés scolaires. Donc ces troubles 10, ils vont apparaître au cours du développement de l'enfant, au cours du développement des différentes fonctions cognitives qui peuvent survenir avant ou au cours des premiers apprentissages, voire un peu plus tard, en fonction de l'importance qu'on va demander, la mise en jeu de la fonction requise. Par exemple, l'acquisition du langage écrit, même si ce trouble existe d'origine du neurodéveloppement, n'apparaîtra que lorsque l'enfant va apprendre à lire et donc pas avant le début de l'élémentaire. Et puis, comme il s'agit d'un trouble développemental, il va persister à l'âge adulte. Il se répercute de façon significative sur l'insertion scolaire, je l'ai dit, mais également professionnelle et aussi dans le milieu social, que ce soit dans la famille ou auprès des amis. Donc il peut y avoir des conséquences affectives et comportementales qu'il faut considérer. Et en fait, ces difficultés entraînent une incapacité à automatiser une procédure. C'est-à-dire que l'enfant va parler sans réfléchir, l'enfant va lire sans réfléchir, va faire un geste sans réfléchir. Alors que donc c'est ce qu'on appelle l'automatisation d'un processus cognitif. Et comme l'enfant n'a pas cette automatisation-là, il va devoir réfléchir à ce qu'il fait. Ça entraîne une lenteur dans son action. Et puis, rapidement, un épuisement, une fatigabilité qui est commune à tous les 10, notamment dans le milieu scolaire. Et on va le retrouver donc de manière plus ou moins importante en fonction des 10. Alors, les troubles 10, c'est quoi? Donc, on a dit c'est difficile. Vous entendrez parler de troubles 10. Vous entendrez parler de troubles cognitifs spécifiques d'une fonction cognitive et non pas de l'ensemble des fonctions cognitives. Là, ce qui intéresse la déficience intellectuelle. Vous entendrez parler de troubles des apprentissages. En tout cas, tous, ils ont une répercussion sur l'apprentissage scolaire. Alors, les nouvelles terminologies, en fait, les nouvelles classifications changent un petit peu la terminologie de ces troubles. Donc, avant, on parlait de 10 quelque chose. Maintenant, la dysphasie donc, concerne en fait les troubles de développement du langage oral. Et donc, la nouvelle terminologie, ça sera lors d'un bilan orthophonique, vous verrez, troubles du développement du langage oral. Alors, c'est important de l'avoir en tête parce que certains enseignants avaient dit, nous, on ne sait pas qui il est, par exemple, dysphasique ou dyslexique, parce que dans le compte-rendu de l'orthophoniste, il était écrit troubles du développement du langage oral ou du langage écrit. Et donc, les parents n'avaient pas dit à l'enseignant, c'est une dyslexie, parce que pour eux, ils n'avaient pas fait le lien. Donc, avoir cette notion aussi des nouvelles terminologies. Et donc, les troubles 10 donc, sont répartis à peu près en six, concernent ces six catégories. Le trouble du langage oral, qu'on appelait la dysphasie. Les troubles d'apprentissage avec déficit en lecture, donc la dyslexie. Et ou troubles d'apprentissage avec déficit en expression écrite, ou dysorthographie.
les troubles du développement de la coordination du geste moteur ou des fonctions visio-spatiales, ce qu'on appelait la dyspraxie, et parmi lesquelles on va trouver la dysgraphie, le trouble du geste graphique qui empêche l'enfant d'écrire correctement à l'école, les troubles d'apprentissage avec déficit du calcul, ou encore dyscalculie. On va avoir dans assimilé à ces troubles 10 le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui va toucher les fonctions de développement des capacités, des processus attentionnels. Et enfin, une catégorie qui est moins bien connue, mais qui retentit tout autant sur les apprentissages de l'enfant, c'est les troubles spécifiques du développement des processus mnésiques, donc tout ce qui est mémorisation, mémoire de travail et des fonctions exécutives qui sont la planification, l'inhibition, l'anticipation pour réaliser une tâche. Donc un 10, c'est quoi ? Il me paraît important d'avoir en tête ces 6 éléments pour définir un 10. C'est un trouble, on parle de trouble et pas de maladie, qui est significatif, durable, notion de temps, spécifique d'une fonction cognitive, structurelle, liée à une lésion cérébrale, ou en tout cas une origine cérébrale, et qui a un caractère inattendu. On parle de handicap invisible. Donc si on revient sur la notion de trouble, c'est trouble 10 dans les nouvelles classifications, donc la classification, le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales américaines, le DSM-5, et aussi la classification internationale des maladies, les classes selon les troubles du neurodéveloppement. Donc parmi ceux-là, on va avoir le handicap intellectuel, ou la déficience intellectuelle, qui va, à l'opposé des troubles 10, intéresser toutes les fonctions cognitives, et toutes les fonctions cognitives du cerveau seront déficitaires, alors que les troubles 10 ne vont toucher qu'une ou plusieurs fonctions cognitives associées de manière variable. Donc, dans ces troubles du neurodéveloppement, on classe les déficiences intellectuelles, les troubles de la communication, et là, on retrouve notre trouble du langage, les troubles du spectre de l'autisme, qui peuvent être associés à une déficience intellectuelle ou une altération du langage, mais on ne parlera pas de dysphasie, le trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble spécifique des apprentissages, et vous voyez la lecture, donc dyslexie, l'expression écrite, dysorthographie, le calcul, dyscalculie, et enfin les troubles moteurs, parmi lesquels on a le trouble développement de la coordination. Et puis on voit qu'il y a aussi d'autres troubles neurodéveloppementaux, qui peuvent être liées à une autre conséquence, une autre origine, qu'elle soit génétique, lésionnelle, mais qui vont gêner le développement du cerveau, mais on ne parlera pas de troubles 10 dans ce contexte-là. Donc vous entendrez parler beaucoup de TND, les troubles du neurodéveloppement, qui finalement englobent les troubles 10. Alors si on dit trouble, c'est en opposition à une maladie, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de traitement, ça n'est pas curable. En revanche, les interventions précoces sur un cerveau en développement vont permettre une amélioration des circuits, des connexions, et c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, avec un cerveau qui va pouvoir compenser les déficits d'un secteur. Et puis, trouble du neurodéveloppement, ça veut bien dire que l'origine, elle est neurologique, et donc les troubles 10 n'ont pas une origine carentielles, n'ont pas une origine psycho-affective. On ne devient pas 10, on naît NIT 10. Donc il s'agit d'un trouble qui est significatif. Significatif veut dire que c'est pas parce qu'on parle mal, qu'on lit mal, qu'on a un trouble 10. Significatif, ça veut dire qu'on a un score dans la fonction, langage écrit, geste, écriture, qui est déficitaire de manière significative par rapport à ce qu'on attend pour l'âge de l'enfant. Et donc, ça fait appel à des bilans. Donc, en fait, on attend un bilan orthophonique pour le langage oral, le langage écrit, le calcul, un bilan psychomoteur pour toutes les fonctions de coordination du geste et du développement de l'environnement spatial. Le bilan d'ergothérapie pourra aider également pour poser les diagnostics. Alors, il y a d'autres professionnels qui vont intervenir pour les prises en charge de ces enfants et aider au diagnostic, mais ce sont les trois principaux qui sont importants à signaler. Et donc, il faut que l'orthophoniste, le psychomote, l'ergo, rendent un bilan standardisé avec des chiffres, des données chiffrées, afin que chacun puisse lire et se dise
Est-ce qu'on est dans une zone de déficit? Est-ce que c'est un retard ou est-ce que c'est normal? Et donc, on va parler de déficit quand on a un décalage d'au moins 18 mois à 2 ans par rapport à l'âge. Donc, sur les bilans, on aura moins 2 déviations standards ou moins 2 écarts types par rapport à ce qu'on attend pour l'âge. Ce trouble spécifique, il est durable. Un trouble neurologique développemental, donc le cerveau a du mal à se développer et le cerveau va se développer de manière anormal pour procéder au développement des différentes fonctions. Et donc, ce qui veut dire que ça ne va pas se corriger. Et donc, la durabilité, elle est importante. C'est pareil, ça va opposer, finalement, je vous ai mis une courbe de normalité. Prenons un langage oral, un langage écrit. L'enfant, il commence, il développe son langage oral et la courbe, on connaît les étapes du développement du langage. Un enfant qui a un retard dans son développement du langage, eh ben, il est soit sur la courbe du retard, sur la courbe de déviance qui va entraîner la fonction, qui va signer le caractère 10. Et en fait, le retard, avec le temps et les rééducations, on voit que les scores, donc des bilans standardisés, reprennent finalement la courbe normale. Donc on a une récupération de la fonction. Il s'agissait d'un retard. Le trouble neurodéveloppemental, il est durable dans le temps, de par l'anomalie structurelle au niveau cérébral. Et donc, on va avoir un enfant qui va progresser. On n'est pas dans une maladie qui empêche la fonction, on est dans un trouble qui limite le bon développement de la fonction. Et du coup, l'enfant va continuer à se développer, mais il y a un moment, il y aura une limite. Et donc, on va arriver à un écart type qui va persister entre ce qui est attendu pour l'âge et le bilan de l'enfant. Et donc, c'est cette notion de déviance et de résistance à la rééducation. Donc, c'est aussi pour ça que les rééducations, on en fait beaucoup quand l'enfant est petit. Et puis, au bout d'un moment, peut-être qu'il faut les arrêter, les rééducations, parce que l'enfant est fatigué et qu'il faut compenser les difficultés plutôt que d'essayer de le rééduquer. Et donc, il y a aussi cette notion de temps. Il ne faut pas être pressé pour poser un diagnostic. Il faut agir, mettre du soin, entendre l'enfant, l'accompagner. Mais le diagnostic, peut-être qu'on ne posera pas tout de suite. Et notamment pour la dyslexie, le trouble d'acquisition de la lecture, eh bien, on ne va pas poser un diagnostic, ça sera impossible de le poser au début du CP, puisque l'enfant, il apprend la lecture à partir de la grande section, mais CP, CE1, et il faudra attendre vraiment la fin du CE1, quand il aura eu ses 2 années d'apprentissage, pour voir si la difficulté en lecture persiste, ou si au contraire, elle se corrige, et à ce moment-là, on était juste dans un retard. Le trouble, il est spécifique des différentes fonctions, ce qui veut dire qu'il ne touche pas l'ensemble des fonctions cognitives. Et donc, il n'y a pas de déficience intellectuelle. La déficience intellectuelle altère toutes les fonctions cognitives. Donc, il faudra un bilan psychologique. Je vous ai mis la WIPSI, le WISC. Ce sont 2 types d'échelles qui analysent le quotient intellectuel en fonction de l'âge. Chez un enfant qui a une fréquentation scolaire normale, qui est indemne de tout déficit neurosensoriel, important ou non compensé. Donc, les déficits neurosensoriels, c'est un trouble de la vision, un trouble de l'audition. Donc, il va falloir tester l'audition de manière systématique chez un enfant qui ne développe pas son langage oral. Et un enfant qui a des difficultés de repérage visuel ou des difficultés en lecture, il faudra aussi avoir testé absolument la fonction visuelle par un bilan ophtalmologique et orthoptique. L'absence d'affection neurologique lésionnelle, donc être sûr que l'enfant a un examen neurologique normal, qui n'est pas connu pour avoir une pathologie neurologique évolutive, qui peut aussi retentir sur les fonctions d'apprentissage. Une absence de troubles résultant d'un désordre psychologique ou psychopathologique, comme les troubles du spectre de l'autisme. Et puis surtout, important, l'absence de carences socio-éducatives. Donc, ça introduit la notion de diagnostic différentiel. Le trouble, il est aussi structurel, donc ça reprend les notions de neurodéveloppemental, les études anatomique, histologique, d'imagerie fonctionnelle, et puis surtout l'étude des sciences cognitives nous ont montré qu'il y avait différentes aires qui étaient impliquées dans différents processus cognitifs et qui étaient déficients ou qui fonctionnaient pas comme il faut, en fait. Et parfois même l'association de différentes zones cognitives ne se fait pas correctement, avec des circuits qui ne sont plus les mêmes que chez l'enfant normolecteur ou l'enfant, on va dire, normotypique. On voit qu'il y a aussi, au niveau structurel, ici, c'est une image qui vous montre en fait plein de petits points qui correspondent en fait à des zones, à des neurones. Les neurones, ce sont les cellules qui se mettent à la surface du cerveau, qui correspondent à la substance grise. Et en fait, lors du développement embryonnaire, les cellules, elles partent du centre du cerveau, elles vont migrer à la périphérie pour rejoindre une place qui est déterminée et
constituer les différentes aires cérébrales. Et on s'aperçoit que finalement, dans cette migration, dans cette mise en place des neurones, certains s'arrêtent à une place qui n'est pas la leur, qui peuvent entraîner un dysfonctionnement de certaines zones cognitives. Enfin, on peut voir que ce corps calleux, qui est cette bande-là blanche que vous voyez au milieu du cerveau, en fait, c'est une bande de neurones qui croisent d'un côté à l'autre le cerveau droit et le cerveau gauche, qui relient les deux hémisphères cérébraux, qui permettent une coordination. Alors, il a plein de fonctions. Mais en tout cas, on s'aperçoit que chez certains patients avec un trouble 10, ce corps calleux, il est trop gros, comme s'il y avait besoin de faire connecter encore mieux les hémisphères, peut-être pour compenser le déficit d'un hémisphère par rapport à l'autre. Donc, il y a bien une cause structurelle. Et donc, l'enfant, il va naître avec cette difficulté. Et puis, surtout, quand il sera adulte, le cerveau, il aura toujours cette anomalie de structure. Donc, c'est pour ça que les troubles vont résister à la rééducation. Et quand l'enfant passera à l'adolescence et à l'âge adulte, il pourra toujours avoir une difficulté. On va voir, ça va être atténué. Le caractère inattendu. Inattendu, en fait, parce que l'enfant, il va bien, il a un développement normal, il n'a pas de maladie, et puis finalement, il n'y arrive pas. Et donc, on parle aussi de handicap invisible, ces troubles 10. On ne perçoit pas physiquement, il n'y a pas de manifestation en dehors des fonctions qui sont testées ou des apprentissages. Françoise Dolto disait « le piano est mal accordé, mais le pianiste est intact, effectivement. Il n'y a pas d'anomalie visible. » Et donc, ce caractère inattendu, il doit alerter justement sur la possibilité d'un trouble 10. Alors, ces troubles 10, ils ont quand même des facteurs génétiques. On s'aperçoit qu'il y a plus de membres de la famille qui ont un trouble 10 quand il y a déjà un diagnostic posé. Et ça s'est vu chez des vrais jumeaux par rapport à des faux jumeaux. Les vrais jumeaux, donc, c'est les jumeaux dits monozygotes. Et on voit que pour des jumeaux monozygotes, on a plus de risques, on a une concordance de 70% de risque d'avoir un trouble 10, alors que chez des faux jumeaux, les jumeaux dizygotes, il n'y aura que 30% qui auront tous les deux un 10. Et quand on a un apparenté au premier degré, donc un père, une mère, un frère ou une sœur, on a un risque de 40% d'avoir également un trouble 10. Ça touche plus les garçons que les filles. Alors, en fonction des troubles, ça va être 3 à 4 garçons pour une fille. Et les troubles, ils vont être de degrés de sévérité très variables. On a des troubles très légers qui peuvent être facilement compensés. Et puis, on a des troubles très sévères qui, au contraire, vont demander des aménagements importants et puis qui vont constituer un réel handicap et nécessiter une reconnaissance auprès de la MDPH. Ces troubles, ils seront fréquemment associés entre eux. Et dans 40% des cas, on a au moins deux troubles 10 associés. Et on parle de comorbidité. Donc la dyslexie, trouble de la lecture ou dyscalculie sont fréquemment associés. Dyscalculie, c'est pas très bien étudié. Enfin, il y a des controverses, mais on trouve souvent des troubles du calcul chez l'enfant dyslexique. Et puis on a aussi des troubles de la coordination du geste moteur ou dyspraxie ou des déficits attentionnels. Donc il va falloir prendre en compte toutes ces difficultés pour les enfants. Et puis pour le langage oral, la dysphasie, elle retentit toujours sur l'acquisition du langage écrit, puisque le langage écrit n'est qu'un code de l'oral, donc ça sera difficile pour l'enfant d'apprendre à lire, même s'il faut leur apprendre à lire. Dans tous les cas, on aura une répercussion importante au quotidien sur la vie courante, la vie scolaire, l'insertion sociale et professionnelle, une fatigue et une lenteur, parce que je vous l'ai dit, l'absence d'automatisation des procédures, ça génère de l'anxiété pour ces enfants, une souffrance psychologique qui parfois est sévère. Et puis l'enfant, il va se dévaloriser, il va désinvestir très progressivement. Et il y a des enfants qui ont des vraies phobies scolaires parce qu'on ne reconnaît pas leurs troubles et on va leur dire qu'ils sont bêtes, qu'ils sont feignants, qu'ils ne sont des bons à rien. Et ça, ils en sont persuadés. Et Daniel Pennac, vous connaissez, qui a écrit beaucoup. Il disait « J'étais une nullité scolaire, je n'avais jamais été que cela. C'était beaucoup plus qu'une certitude, c'était moi. De cela, certains enfants se persuadèrent très vite. Et s'ils ne trouvent personne pour les détromper, comme on ne peut vivre sans passion, il développe, faute de mieux, la passion de l'échec. » Donc, il écrivait ça dans Chagrin d'école, un livre qu'il a écrit sur ses difficultés, où il expliquait que sa maman était désespérée, puisqu'il était cancre et qu'il a mis longtemps avant de comprendre qu'il avait une dyslexie. Donc, on veut éviter ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien repérer, bien comprendre et prendre en charge très précocement les enfants, à la fois dans le cadre du soin, dans le milieu social et dans le milieu scolaire.
Donc le diagnostic, le repérage, il doit être précoce, indispensable. Alors c'est souvent la famille qui va dire bah, « il ne parle pas, il est maladroit, il n'arrive pas à s'orienter, il bouge tout le temps, il est dans la lune tout le temps ». Voilà, des repérages. Il n'arrive pas, il ne fait pas de Lego pour l'enfant qui a un trouble de la construction, du développement des coordinations. Et puis l'enseignant va s'apercevoir aussi que ben, cet enfant, il est en décalage par rapport aux autres, alors que finalement, cet enfant paraissait normal. Donc ce repérage, il est important pour pouvoir mettre en place précocement des soins. Les soins, ils vont permettre de compenser, de contourner la difficulté. Tant que l'enfant est petit, alors petit, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, au moins, la maternelle et le primaire, là, il faut l'aider. On sait que le cerveau va pouvoir compenser vraiment les troubles des fonctions et les connexions entre les différentes zones cérébrales. Et puis, quand on arrive à l'adolescence ou à l'âge adulte, c'est plus difficile. On essaiera de finalement compenser plus que de récupérer une fonction. Les aménagements pédagogiques, ils visent à ce que l'enfant, il reprenne goût aux apprentissages, il reste persuadé qu'il est valable. Donc, et il faut limiter la fatigabilité. Je vous dirai un mot sur la double tâche, hein, et puis éviter les troubles du comportement et des investissements scolaires. Donc le maître mot, c'est valoriser l'enfant en permanence, hein, et s'appuyer plus sur ce qui fonctionne plutôt que sur ses déficits, même si là, je parle beaucoup de déficits. Et donc le diagnostic, il n'est pas toujours facile, parce que vous avez vu, il faut du temps. Parce que parfois il y a plusieurs 10, donc et parfois il y en a d'abord un qu'on voit, par exemple un trouble du déficit de l'attention, et puis finalement l'enfant quand il arrive en primaire, il n'arrive pas à lire non plus, et puis peut-être qu'il n'arrive pas à écrire non plus, donc il a peut-être une comorbidité avec plusieurs 10. Donc ça donne sur les cas complexes des évaluations pluridisciplinaires qui vont intégrer la plainte de l'enfant par le biais des parents, l'enseignant, et puis les différents professionnels que sont les paramédicaux avec les orthophonistes, psychomotriciens, ergo, et puis parfois les médecins. Et les médecins généralistes, ils sont un peu débordés. Ils sont très sollicités pour avoir des prescriptions de bilan, mais ils ne savent pas lire les bilans ou ils n'ont pas le temps. Donc certains s'y attellent et font des formations. Donc je ne veux pas dire qu'ils ne savent pas le faire, mais c'est compliqué. Donc on fait appel à des équipes qui connaissent un peu ça. Et moi, c'est dans ce cadre que j'interviens au CHU en recours de troisième ligne pour une évaluation pluridisciplinaire. Alors, je vais essayer de faire un peu un focus sur chacun des troubles en essayant de passer un peu vite. Mais donc, on parle du trouble du développement du langage oral, anciennement dysphasie. Alors, j'ai mis au singulier, on pourrait mettre au pluriel hein, parce qu'il n'y a pas autant de dysphasie qu'il y a d'enfants avec des développements différents. Donc je vous rappelle, hein, il s'agit d'un trouble structurel significatif. Significatif, il faut qu'il y ait un bilan orthophonique qui soit déficitaire, au moins deux écarts types, 1,5 à 2 écarts types en dessous de la norme, durable dans le temps, donc avec ce décalage du développement langage, normal du langage chez un enfant qui est intelligent, qui n'a pas de carences socio-éducatives, qui n'a pas de troubles neurosensoriels. Il faudra avoir testé l'audition, qui n'a pas de troubles psychiatriques, notamment du registre du spectre de l'autisme, et qui n'a pas de pathologie neurologique. Alors, les dysphasies, ça touche 1% de la population scolaire, donc il y en a un peu moins fréquemment que la dyslexie qu'on peut retrouver beaucoup plus largement dans les classes. Alors, je vous ai mis cette mise au point sur le développement normal du langage. On ne va pas reprendre les étapes de développement du langage, mais c'est pour comprendre que finalement, l'acquisition de la parole et du langage, donc la parole, c'est les sons, et le langage, c'est l'organisation qu'on fait de ces sons pour faire finalement un discours qui va permettre un lien entre les différents individus. Il se réfère à un système à trois composantes. Donc il y a la forme, l'aspect formel du langage, le contenu, c'est le sens qu'on donne à ce langage, et puis l'usage qu'on va pouvoir en faire. Et si on met ça, si je vous donne ça, c'est que l'enfant, il va pouvoir avoir un trouble dans le développement de ce langage à tout. Sur toutes les composantes du langage. Donc, il va y avoir sur la phonologie. La phonologie, c'est le son. Donc, c'est l'ensemble des sons d'une langue qui peuvent se combiner entre eux pour former des mots. La syntaxe, donc c'est la phrase. C'est l'organisation des mots entre eux pour faire une phrase. Donc, ça, c'est aussi lié d'une culture. Hein. Là, c'est un apprentissage explicite. La morphologie.
La morphologie, bah, c'est les indications grammaticales des conjugaisons, les accords. Si je vous dis une danseuse, vous savez qu'il s'agit de quelqu'un qui danse et puis qui est une fille, alors que danseur, bah, c'est plus masculin. Le contenu donc, revoit ce qu'on appelle la sémantique ou le sens du discours. Et il s'appuie sur le vocabulaire ou le lexique. Et enfin, l'usage. On va parler de la pragmatique. La pragmatique, ça va être finalement les codes qui vont régir les intentions de communication entre les différentes personnes. Et donc, c'est la capacité qu'a une personne à s'adapter au contexte et à son interlocuteur. Et donc, on a des enfants, notamment l'enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme. Lui, il va avoir un langage qui peut ou pas se développer correctement, mais il va avoir un trouble de la pragmatique très, très important. Donc la dysphasie, l'enfant, lui, il peut avoir des difficultés soit dans l'expression, soit dans la compréhension. Donc il peut dire qu'il a du mal à s'exprimer, du mal à mettre les mots dans l'ordre, du mal à les prononcer. On revient sur les sons de la parole. Il peut avoir du mal à découper les sons. Il peut avoir du mal à organiser sa phrase, donc construire des phrases correctes. Des phrases qui manquent parfois de verbes, on va parler d'agrammatisme, une conjugaison qui n'est pas correcte, on parle de dyssyntaxie, la syntaxe n'est pas en place. Et puis du coup, parfois, il a un trouble d'accès au lexique, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trouver le bon mot, donc il va dire un mot pour un autre, parfois très éloigné du sens ou du mot initial, ou parfois avec la même forme sonore, ça va être proche, ou parfois dans le même champ qu'on appelle sémantique, c'est-à-dire un mot qui va avoir le même sens, auto, voiture, alors là on comprend vite, mais parfois ça peut être louche pour cuillère, ça n'est pas tout à fait la même chose, mais il s'agit quand même d'un instrument creux qui va aider pour la cuisine. Et puis parfois il n'arrive pas à comprendre, donc pareil, il peut ne pas comprendre, pas bien percevoir les sons, pas bien comprendre les mots, pas bien comprendre les phrases. Donc on voit le retentissement pour ces enfants, de ne pas comprendre les copains, de ne pas comprendre la consigne des parents et de ne pas comprendre la consigne de l'enseignant. Les mots abstraits sont complexes parce qu'il ne va pas se repérer sur une image mentale du mot et du coup apprendre une poésie par cœur sans qu'il ne comprenne le sens, ça va être difficile. Et puis, parfois, l'enfant qui apprend à lire, souvent même, il s'appuie sur le contexte pour pouvoir comprendre le sens global du texte, même quand il ne connaît pas tous les mots. Et là, comme tous les mots ne font pas sens, il est parfois aussi très en difficulté sur la lecture pour comprendre. Donc, la dysphasie, il y a autant de dysphasie que de personnes atteintes de dysphasie, parce que finalement, ça peut toucher toutes les composantes du langage. Il peut y avoir un discours qui est plus ou moins bien construit, des difficultés de compréhension, surtout le second degré, l'abstraction, c'est difficile, des distorsions au niveau des sons, qui vont produire des mots qui ne sont pas trop intelligibles pour l'interlocuteur, on ne comprend pas bien ce qu'ils veulent dire. Le vocabulaire est réduit, on va avoir des difficultés dans les consignes, une intelligibilité de la parole, alors parfois c'est un jargon, on n'arrive pas du tout à les comprendre. Les phrases sont mal structurées, difficulté à décrire une suite d'événements, et puis du coup des difficultés d'apprentissage de nouveaux mots, des structures grammaticales avec un retentissement sur l'écrit, l'apprentissage de la lecture et un manque du mot. Ce qu'il y a d'important, je trouvais dans cette dia, c'est que l'enfant dysphasique, il va toujours progresser par rapport à lui-même, mais par contre, il va rester en décalage par rapport aux autres qui ont le même âge chronologique que lui. Et donc, lors des bilans, ce qui sera important, c'est de valoriser les enfants. Et si on fait un bilan, parfois, on est à moins 4, moins 10 écart-type. Et puis, l'année d'après, on refait le bilan. L'enfant, il croit qu'il a progressé. Et puis, il se retrouve à moins 8 écart-type. Donc, on dit qu'il est déficitaire. Mais en fait, il est passé de moins 10 à moins 8. Et c'est déjà énorme. Et donc, il ne faut pas les valoriser en déficit, mais il faut les nommer en déficit, mais insister sur les progrès qu'ils ont pu faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a une suspicion, en tout cas de dysphasie? C'est une rééducation orthophonique précoce qui va être soutenue. C'est pas une rééducation tous les mois, c'est plusieurs fois par semaine. On dit que 2 à 3 fois par semaine, donc il faut pouvoir les caser dans l'emploi du temps de l'enfant et de la famille.
Surtout pas de diagnostic à la hâte. L'enfant, il a toute la maternelle pour apprendre correctement, pour que le langage oral se développe correctement. Et souvent, on voit que le passage en grande section, où il commence à apprendre les sons et le langage écrit et le CP, va faire évoluer vraiment le langage oral. Donc parfois, on a des enfants qui ont un trouble sévérissime du langage oral et finalement qui le corrigent. Et on était dans un retard, certes sévère, mais on était dans un retard et pas une dysphasie. Qu'est-ce qui va les aider? C'est les supports visuels, mettre des images pour qu'ils aient dans leur tête l'image mentale d'un mot pour l'associer. On peut aider par le geste, par le mime. Il faut prendre le temps de les écouter et pas vouloir qu'ils se précipitent. Il ne faut pas terminer les phrases pour l'enfant. Il ne faut pas le faire répéter. Mais par contre, quand on croit avoir compris, il faut essayer de répéter correctement la phrase qu'il a voulu dire. Comme ça, il l'entend bien prononcer. Donc c'est quelques idées, hein. Il y a plein de choses à mettre en place. Et puis les aménagements pédagogiques qui vont se faire de manière variable en fonction de la sévérité du trouble. On parlera du PAP, le projet d'accompagnement personnalisé, qui doit être systématique chez tout enfant avec un trouble 10. Et puis quand c'est sévère et que ça entraîne un handicap réel, on pourra passer au projet personnalisé de scolarité, le PPS, qui est un contrat d'aménagement pédagogique qui relève du handicap, donc ce qui veut dire qu'il y a une reconnaissance de handicap auprès de la MDPH. Un petit exemple pour que l'enfant comprenne une consigne, voilà, avec des pictogrammes, pour qu'il comprenne la consigne donnée par l'enseignant, donc pour entourer, barrer, cocher ou relier. Comme ça, il a l'oral, mais il voit aussi visuellement ce qu'il doit faire. Un mot sur la dysphasie et le langage écrit. Donc, l'apprentissage précoce de la lecture est indispensable. Donc souvent, on dit aux orthophonistes, dès la grande section, apprenez les lettres, apprenez les sons, apprenez à la lecture de syllabes à ces enfants, parce qu'on sait que ça va structurer leur langage. Donc il y a un rôle qui est facilitateur dans la création d'images verbales pour que l'enfant prononce mieux. Et puis, c'est un support dans les processus d'encodage phonologique. Et ça modèle aussi, c'est un modèle pour la structuration du discours, puisqu'on a un code linéaire de l'écrit, et du coup, la phrase est complète à l'écrit, et l'enfant va pouvoir s'appuyer dessus. Une méthode peut être utilisée, c'est cette méthode-là, la méthode des alphas, où finalement, les petits personnages, sur un mode ludique, correspondent en fait au son que va faire le mot et la lettre à laquelle ils correspondent. Donc il y a la planète des alphas, et l'enfant peut s'appuyer là-dessus pour apprendre la lecture. Alors que deviennent les enfants dysphasiques? L'évolution, elle est variable, fonction de la précocité, de la prise en charge et des adaptations pédagogiques. Le degré de compensation, il dépendra bien sûr des troubles associés. S'il y a juste une dysphasie, que toutes les autres fonctions cognitives sont intègres, il sera moins en difficulté. S'il a un niveau cognitif global d'intelligence qui est élevé, il aura plus de facilité aussi à compenser son trouble. Hein, et généralement, l'intégration en maternelle se fait assez bien. Ces enfants, ils arrivent à avoir des copains, ils n'ont pas trop de difficultés. En CP, on dit qu'il faut leur apprendre la lecture, mais ils seront quand même en difficulté pour coder et apprendre la lecture. Souvent, ils arrivent à lire, mais ils peuvent être en difficulté sur la transcription, donc sur l'orthographe, et puis sur la transcription dans l'organisation d'une phrase aussi à l'écrit. Ils peuvent avoir des difficultés en mathématiques. Au collège, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on arrive la langue vivante, et c'est difficile pour un enfant dysphasique qui n'arrive déjà pas à s'exprimer correctement dans sa langue maternelle, d'apprendre une langue étrangère. Et les langues qui sont peu transparentes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de correspondance stricte entre le code écrit et les sons, c'est-à-dire qu'il y a un même son de code qu'un code écrit, et réciproquement, va être très difficile à acquérir pour l'enfant. Donc l'anglais est particulièrement difficile. L'expression écrite reste difficile. Souvent, on essaye de les dispenser d'une deuxième langue vivante en quatrième. Et puis, généralement, il y a des orientations en filière courte. Alors, on accompagne de mieux en mieux ces enfants. Et j'ai eu des enfants que j'ai accompagnés et qui allaient jusqu'au baccalauréat avec des aménagements, des difficultés. Mais il va falloir peser le pour entre l'énergie qu'ils dépensent et le coût engendré par... vouloir avoir un bac à tout prix et puis partir en filière courte avec un épanouissement dans un domaine où finalement il y a moins de contraintes et ils peuvent aussi être tout aussi performants.
L'adulte, eh ben, l'adulte qui a corrigé son trouble, il a quand même des difficultés. Et sur des études qui avaient été faites, des questionnaires en fait, de qualité de vie, il disait que finalement, ils avaient du mal à comprendre l'humour, ils avaient du mal à comprendre l'implicite. Hein, le second degré, c'était difficile. Et puis, c'est des adultes qui n'aiment pas trop prendre la parole, qui restent à l'économie dans leur dialogue et qui, parfois, quand ils essayent d'expliquer quelque chose, ne sont pas très informatifs. Ils ne donnent pas beaucoup de détails et c'est un petit peu compliqué. Les troubles de la lecture, apprentissage avec déficit en lecture, dyslexie et de l'expression écrite, dysorthographie. Donc, il s'agit d'un trouble significatif, durable, d'accès au langage écrit. Donc, il faut un bilan orthophonique qui nous montre qu'on a deux écarts-types par rapport à, au niveau attendu pour l'âge de l'enfant. Donc, bien sûr, en grande section, on ne parle pas de dyslexie. Chez un enfant normalement scolarisé, si on n'a pas appris à lire, on ne peut pas être dyslexique. En tout cas, on ne peut pas le savoir. Intelligent, sans trouble du langage oral. L'enfant dysphasique, il aura forcément des troubles du langage écrit. Alors, vous verrez souvent, il est dysphasique et dyslexique. C'est un peu un abus de langage, mais sont deux entités différentes. Interne de troubles sensoriels, il faudra bien avoir vérifié l'audition, puisque l'écrit va coder du son, donc il faut être sûr qu'il les perçoive correctement. Et puis la vue, pour qu'il puisse bien apprécier le signal visuel des lettres. Et sans troubles psychologiques, notamment autisme. Donc, on ne va pas poser de diagnostic avant la fin du CE1, puisque l'enfant il apprend à lire sur ses deux années. Alors, comment on lit ? Classiquement, on a deux voies de lecture, la voie indirecte d'assemblage phonologique et la voie directe d'adressage ou orthographique. L'enfant qui apprend à lire, il va utiliser cette voie-là. Ça correspond un peu aux deux méthodes de lecture. La méthode par assemblage, le BEABA, et puis la méthode syllabique et la méthode globale. Donc, en fait, cette voie indirecte d'assemblage ou phonologique permet en fait un repérage visuel des lettres. L'enfant va faire un traitement syllabique, c'est-à-dire qu'il va d'abord décomposer en syllabes et puis il va reconnaître les lettres. Ces lettres, visuellement, il faut qu'il leur donne un son. Donc, il y a un transcodage phonologique. Il fait correspondre la trace écrite à la forme sonore, c'est le système de conversion graphème-phonème, et puis il va assembler tous ces sons, tous les phonèmes qu'il a lus, et ça lui donne une forme orale. Et cette forme orale, ben, il la connaît, et il l'associe à un sens. Donc, voilà comment l'enfant lit. Donc ça demande à avoir aussi une bonne perception visuelle des lettres, une bonne conscience des sons, la phonologie, et puis une bonne mémoire à court terme, puisque c'est un déchiffrage qui est lent. Et quand on lit le début d'un mot, on va le coder, on va l'intégrer dans sa mémoire à court terme, on décode la fin du mot, puis il va falloir aller récupérer dans sa mémoire le premier segment pour les assembler. Donc, les enfants qui ont un déficit dans la mémoire à court terme ou la mémoire de travail, ils sont très en panne aussi sur la lecture. Et là, donc cette voie, elle permet de lire tous les nouveaux mots, les mots qu'on n'a jamais connus, jamais rencontré. Et la deuxième voie, qui est la voie directe d'adressage ou encore orthographique, en fait, elle s'appuie sur la forme visuelle du mot. Donc, en fait, une fois qu'on a lu des mots, ils sont stockés, finalement, dans une mémoire à long terme. On a un dictionnaire mental des mots avec les formes orthographiques des mots. Et on sait, le cerveau va avoir ce qu'on appelle un lexique orthographique et qui va, finalement, quand l'œil va percevoir l'assemblage de lettres, va aller piocher dans son lexique orthographique de dire « Ah ben ça correspond à tel sens, et ce sens, ça se prononce de telle forme phonologique. » Donc cette voix, elle fait appel au sens. Donc elle est intéressante parce que finalement, elle va nous permettre de lire les mots irréguliers. Si vous lisez le mot « monsieur » par l'utilisation de la voie d'assemblage directe, vous allez lire « mensieur ». Alors que si vous utilisez la voie indirecte d'adressage, ben, vous récupérez le sens et vous savez que ça se prononce monsieur. Donc ça permet aussi de lire tous les mots donc irréguliers et puis ce qu'on appelle les mots qui ne s'écrivent pas pareil, donc les homophones qui chantent pareil mais qui ne s'écrivent pas de la même manière et du coup qui ont un sens différent. Par exemple, le vin qu'on boit, le nombre 20 ou en vin. Voilà. Et donc c'est la forme orthographique qui va donner du sens.
Donc ça, on a besoin d'une bonne mémoire à long terme et d'une bonne attention visuelle. Donc, un petit exemple, c'est pour vous montrer que, normalement, votre cerveau va reconnaître l'ensemble des lettres et vous allez tout à fait être capable, si vous êtes bon lecteur, peut-être qu'il y a des dyslexiques dans la salle, être capable de lire cette phrase en utilisant votre voix d'adressage. Donc la dyslexie en pratique, les difficultés, elles vont apparaître au milieu du CP généralement, parfois un peu plus tard, si l'enfant compense. On a des enfants pour lesquels on va poser le diagnostic en fin d'élémentaire, voire au collège. Et on va s'interroger, quand on a une discordance, entre les difficultés d'apprentissage du langage écrit, la lecture et l'orthographe, alors que l'enfant, il est performant dans les autres compétences, dans les autres domaines, compétent dans ses réponses orales ou compétence dans tout ce qui est calcul et mathématiques qu'on apprend, en tout cas en début de CP. Un exemple, quand la lecture ne se met pas en place, on a un trouble de l'orthographe derrière. La dysorthographie est toujours associée à la dyslexie. Certains décrivent des dysorthographies isolées, mais c'est rarissime. Et donc vous voyez ici l'enfant qui, à 9 ans, alors qu'il est en CE2, a du mal à orthographier correctement le texte d'en dessous. Et donc c'est difficilement lisible. Et du coup, il aura aussi des difficultés lui-même pour se relire. Là, c'est une dictée tirée d'un bilan orthophonique. Et donc, c'est un corbeau perché sur l'antenne d'un bâtiment, tient dans son bec une souris blessée. Rendu furieux par cet oiseau cruel, des enfants lancent des cailloux pour l'obliger à s'envoler. Donc, vous voyez que quand l'enfant dyslexique veut transcrire sa pensée, eh bien, il y a des fautes d'usage dans les mots, des fautes d'orthographe. Et là encore, on n'a pas de faute de segmentation sur ces deux exemples, mais parfois les mots sont collés et on a des inversions, des omissions de lettres, un télescopage qui fait que la production écrite est parfois incompréhensible. Donc, on a dit que la dyslexie est un trouble structurel, que l'enfant naît avec ça, mais par contre, on apprend à lire quand c'est PCE1, mais avant, il y a forcément des signes précurseurs. Donc c'est sûr que le diagnostic, on ne va pas le poser avant la fin du CE1, mais le repérage est important et dès la moyenne grande section de maternelle, on a des éléments de repérage qui sont indispensables à prendre en compte, et notamment par les enseignants, justement sur la conscience des sons. Est-ce que l'enfant perçoit bien les sons? Le comptage des syllabes, dès la moyenne section, on fait compter l'enfant, on fait frapper les syllabes dans les mains. Donc, il a déjà conscience que le langage se décompose en éléments de sons différents et ce qui va être codé par l'écrit. La mémoire à court terme, pourquoi on apprend des comptines à l'enfant et des petites poésies ou des petites chansons, c'est aussi pour travailler cette mémoire. Les épreuves de dénomination rapide, c'est comment il est capable de récupérer rapidement, du vocabulaire. Et puis son niveau de connaissance de lettres. S'il ne connaît pas les lettres, s'il ne connaît pas les graphèmes en grande section, il va être très en difficulté pour apprendre à les assembler en CP. Donc ce qui veut dire que dès la grande section, on peut quand même orienter ses enfants vers l'orthophoniste, même si on n'a pas le diagnostic à ce moment-là. Mais en tout cas, on suspecte. La rééducation, c'est l'orthophonie pour la lecture. Il faut qu'elle soit adaptée, ciblée aux difficultés que rencontre l'enfant. Parce que la dyslexie, ça va être une des deux atteintes, la voie d'adressage ou la voie d'assemblage. Parfois, les deux. Et là, c'est plus sévère. On parle de dyslexie mixte. Et on demande à ce qu'elle soit faite sur le temps scolaire, parce que sinon, vous rajoutez encore plus à l'enfant de charges cognitives après l'école. Il est déjà épuisé. Et donc, on essaye de le faire sur le temps scolaire. Il va falloir avoir fait un bilan ophtalmologique, voire orthoptique, sur le balayage visuel et être sûr qu'il perçoit bien les lettres. On peut faire appel à un ergothérapeute pour tout ce qui est aussi orientation et aide sur le graphisme, souvent associé à des troubles dyslexiques, voire de la psychomotricité qui va avoir une vertu un peu globale, à la fois sur la motricité, sur comment l'enfant perçoit son trouble et les difficultés rencontrées, sans oublier un soutien psychologique. Et puis surtout, c'est des enfants qu'il faut réévaluer de manière régulière. On met en place une rééducation, puis on se dit, on fait 6 mois, 1 an, et puis au bout d'un an, on fait un point. Donc on refait un bilan, on voit comment va l'enfant, comment il est par rapport à lui-même, sur son bilan, et comment il est dans sa vie de tous les jours et dans ses apprentissages.
Quels aménagements pédagogiques? Le but, c'est limiter la double tâche, réduire la fatigabilité. Donc, bien sûr, les aménagements, ils sont adaptés à chaque enfant, à réévaluer. Donc, le PAP, je vous en ai parlé, hein, ça ne nécessite pas une reconnaissance de handicap. Ça, donc, pas de dossier MDPH, ça dépend du médecin scolaire. Ou alors un PPS, s'il y a une reconnaissance de handicap, si la dyslexie est très sévère. On proposera du temps supplémentaire, favoriser les interventions à l'oral, puisqu'à l'oral, il est pertinent. On peut demander à l'enseignant de relire à l'oral une consigne écrite, comme ça, l'enfant l'a entendue, et il va plus facilement se mettre à la tâche sur l'écrit. Limiter tout ce qui est écrit, puisque ça le met en difficulté, donc pas de punition en faisant des copies de lignes. On peut demander à ce qu'il ait le support des cours, soit par un camarade tuteur, soit une photocopie, soit maintenant tout ce qui est numérique informatique. Donc dans les collèges, on a les plateformes informatiques qui doivent marcher, il faut les utiliser à fond, là, sur tout ce qui est Pronote, et ça marche de mieux en mieux, c'est pas encore toujours bien. On ne pénalisera pas l'orthographe, sauf si on demande, c'est une évaluation ciblée, et donc la dictée, et puis les dictées, il faudra les préparer ou qu'elles soient dictées à trous. On peut proposer des QCM, accepter des réponses courtes, pas développées. On peut présenter un texte qui est aéré, avec un caractère, généralement, on dit double interligne, une police de type Arial 14, qui est mieux perçue visuellement par l'œil. On évite de le faire lire à haute voix pour le mettre mal devant ses copains et le dévaloriser. Et donc, toujours le valoriser. Et puis, chez ces enfants-là, l'outil informatique peut être une solution avec des logiciels de synthèse vocale, de dictée vocale. Et je pense que ça, c'est intéressant. Les enfants dyslexiques, l'évolution, elle est variable. Ils acquièrent souvent une lecture fonctionnelle. Qui dit fonctionnelle dit que ils comprennent ce qu'ils lisent. Souvent, on a une normalisation de la qualité et de la vitesse de lecture. Mais ce qui est souvent résistant, c'est l'orthographe. Et l'adulte dyslexique, il restera avec des fautes d'orthographe. L'anglais sera difficile. Et puis, vous voyez, il y a des personnes qui ont fait des belles choses, ou en tout cas qui ont atteint leur but alors qu'ils avaient des dyslexies. Donc, quand s'inquiéter pour le langage écrit, en grande section devant tout trouble résiduel du langage oral, pour les difficultés à percevoir les sons, à connaître les lettres. Et puis en CP, si l'enfant, dès Noël ou janvier, il n'arrive pas à rentrer dans la combinatoire, là, il va falloir l'aider. Ou s'il ne lit pas à la fin de CP, là, il faut vraiment s'alerter et mettre en place l'orthophonie. Les troubles du développement de la coordination du geste moteur ou dyspraxie, c'est important de comprendre que le geste, c'est un ensemble de mouvements coordonnés qui sont réalisés, qui se coordonnent dans l'espace et également dans le temps pour réaliser une action volontaire. Donc on parle de dyspraxie, de troubles d'acquisition des coordinations, de troubles de la coordination du développement, de troubles de développement de la coordination ou TDC. Donc en fait, une praxie, c'est le fait d'acquérir une gestion automatisée d'un type de geste après en avoir fait l'apprentissage. Donc apprendre à s'habiller, apprendre à utiliser la cuillère, apprendre à pédaler, apprendre à nager, tout ça, on a acquis, on ne réfléchit plus, on fait le geste de manière automatique. L'enfant dyspraxique, il n'automatise pas ses procédures et du coup, il va être en difficulté pour la réalisation du geste avec une lenteur et puis un coup systématique puisqu'il doit réfléchir à la façon dont il doit faire le geste. Donc en fait, on n'a pas de déficit intellectuel, il n'y a pas, le système nerveux n'est pas mal formé, il y a un trouble dans la fonction, et puis il n'y a pas non plus de troubles des organes effecteurs que sont les muscles ou le système ostéo-articulaire. Les signes d'appel chez l'enfant, on dit qu'il est lent, il a du mal à couper sa viande, il est maladroit, il n'arrive pas à découper, il colle, il en met partout, il déjeune, il en met partout, il est maladroit, il n'arrive pas dans son graphisme. Et puis par contre, il y a des signes positifs aussi, c'est un enfant qui parle bien, il va surinvestir la sphère verbale, il va aimer les loisirs, écouter de la musique, aller au cinéma, il est intéressé, et puis souvent il s'entoure des adultes puisqu'il ne va pas faire les mêmes activités que les enfants de son âge puisqu'il n'arrive pas dans le geste. Donc là, c'est un grand tableau qui vous montre qu'il y a des conséquences à la fois sur la vie scolaire, sur la vie quotidienne, sur l'insertion sociale chez ces enfants qui ont une dyspraxie, parce que le geste,
est utile dans tous les domaines. Et donc, moi, je trouve que c'est le trouble 10 le plus sévère et qui mérite le plus de soins et de compensation, parce qu'il va être gêné pour s'habiller seul, pour se laver, pour déjeuner. Il va être en peine à l'école pour le graphisme. Il va être en peine dans les activités sportives pour se placer sur le terrain avec ses copains. Il ne va pas attraper la balle correctement, donc c'est celui auquel on ne passera jamais la balle. Il y a un rôle important de l'environnement, et donc il faut les valoriser, et on voit que il faut leur permettre de faire des activités sportives. Il faut arrêter de dire qu'ils sont maladroits, qu'ils sont des bons à rien, parce que finalement, avec de la bienveillance, ils arrivent à comprendre leurs difficultés et ils s'améliorent. Donc la prise en charge, je vous l'ai un peu dit, il y a une remédiation qui est extrêmement lourde chez l'enfant dyspraxique, qui va nécessiter une prise en charge à la fois en psychomotricité pour tout ce qui est intégration du schéma corporel, le geste, l'espace, en ergothérapie pour travailler la motricité fine, rééduquer le graphisme, voire mettre en place l'outil informatique qui me paraît important pour ces enfants-là. L'orthopsie va aider dans la fixation oculaire et le bon repérage dans l'espace feuille, dans l'espace global et dans la rapidité du traitement de la prise des indices visuels. Et l'orthophonie va les aider également, peut-être aussi dans tout ce qui est logico-mathématique. Donc les aménagements pédagogiques, c'est apprécier la fonction altérée et compenser, donc notamment la tâche écrite, utiliser des outils de géométrie, c'est compliqué pour ces enfants, tenir une règle, tracer un trait avec une règle, c'est difficile, donc on a des outils avec une règle et avec une poignée qui peut les aider, et plein d'autres aides possibles. Et pour ces enfants-là, moi, je pense que l'aide à l'autonomie peut passer aussi par la présence d'une aide humaine en classe. Donc l'AESH, c'est l'aide pour les élèves en situation de handicap. L'avenir professionnel des enfants dyspraxiques va dépendre des compétences préservées. Et c'est souvent des enfants qui n'ont pas des métiers manuels, mais qui vont plutôt avoir des métiers d'éloquence. Un mot sur le TDAH. Donc, c'est le trouble du développement des processus attentionnels. C'est fréquent, hein, 5 à 7% des enfants, plus fréquemment chez l'enfant. On va retrouver une transmission dans la famille, enfin une hérétabilité chez des parents. On a 67% de risque d'avoir un enfant avec TDAH. C'est le trouble 10 dans lequel il y a le plus d'intervention des facteurs environnementaux. Et puis, c'est le seul qui est considéré comme pouvant être associé à une déficience intellectuelle ou à un trouble du spectre de l'autisme, par exemple. Donc, le TDAH, rapidement, inattention, impulsivité, hyperactivité. L'inattention, il est rêveur, distractif, n'écoute pas, il perd ses affaires. Impulsivité, il va répondre, il ne va pas être patient, il va répondre à la fin de la question, il coupe la parole. Hyperactivité, il bouge partout, il se met en danger, il se lève, il tombe de sa chaise. Donc en classe, c'est compliqué. Donc les prises en charge, c'est surtout psychoéducatives. On peut mettre en place des aménagements pédagogiques. Il y a des traitements médicamenteux, mais qu'on mettra vraiment en deuxième intention. Et puis l'adulte TDAH, l'enfant deviendra un adulte TDAH. Donc c'est important de le prendre en charge précocement pour qu'il comprenne son fonctionnement et qu'il arrive à être plus tranquille, on va dire, dans sa vie d'adulte. Quelques aménagements pédagogiques pour le TDAH. On peut mettre un élastique sous la chaise, comme ça, il bouge les pieds, il embête personne, il ne se lève pas. On essaye de l'isoler, on l'isole sensoriellement. On peut mettre des casques anti-bruit parce qu'il va être distrait par les moindres bruits. On peut mettre un coin où on l'isole dans la classe. Le timer, ça, c'est très important. Ça permet de séquencer le temps de travail et le temps où il a le droit de ne pas travailler. Donc ça peut être une aide qui est souvent assez précieuse à la maison. Un mot sur la double tâche. Donc on a parlé de double tâche. Alors il y a différents troubles qui sont associés de manière variable. Est-ce que c'est une comorbidité ou est-ce que c'est la conséquence? La conséquence, c'est quand l'enfant il n'arrive pas à gérer la double tâche. Par exemple, l'enfant qui a une dyslexie sévère, il va avoir un déficit attentionnel. Mais s'agit-il d'un TDAH ou est-ce que c'est la conséquence de son trouble? Il n'est pas capable de rester attentif quand il est aussi en train de lire. L'enfant dyspraxique, il n'est pas capable de comprendre ce qu'il lit ou ce qu'il écrit, pardon, ou pas capable de faire attention à son orthographe quand il est en train d'essayer de faire son geste graphique.
Donc la double tâche est difficile pour ces enfants. Et je vous mets un exemple d'un enfant qui avait un diagnostic de TDAH avec dyslexie, dysorthographie et qui avait un trouble du graphisme. Donc on s'est dit, est-ce qu'il y a une dysgraphie associée? Et en fait, vous voyez son cahier de poésie, c'est pas très propre. Ici, vous voyez le texte est mal écrit, il y a des ratures, le dessin, il y a des barres, il recommence. C'est un traitement qu'on a pris en charge. Et lui, il a bénéficié d'un traitement par méthylphénidate pour son TDAH. Et vous voyez le cahier de poésie sous traitement. Il n'y a plus aucun trouble du graphisme. Il s'oriente bien dans l'espace-feuille. Donc, c'est un enfant qui n'a pas de trouble du graphisme. Donc, c'était une conséquence. La double tâche était trop difficile pour lui. On n'est pas dans le cadre d'une comorbidité. Donc, pour conclure, les troubles 10, c'est des troubles neurodéveloppementaux. Donc, ça n'arrive pas comme ça. Ce n'est pas lié à une émotion ou un choc. Le repérage, on peut le faire précocement pour mettre en place des soins précocement. Le diagnostic, pour moi, il est secondaire. On n'est pas obligé, il n'y a pas d'urgence à le faire à partir du moment, à le poser, à partir du moment où on a pris en compte les difficultés de l'enfant. Mais il est indispensable parce que rien que pour l'enfant lui-même, il va arrêter de penser qu'il est idiot et il va comprendre son fonctionnement et ça les revalorise vraiment. Donc c'est important de lui expliquer son trouble et de lui expliquer ses forces aussi. Il va y avoir besoin d'un partenariat étroit entre l'enfant, ses parents, et puis les professionnels qui le prennent en charge, donc les rééducateurs et puis les enseignants qui ont la lourde tâche de les avoir au quotidien pour les apprentissages. Et donc les aménagements pédagogiques, toujours mettre en place un PAP. Et puis le PPS, je vous l'ai déjà dit un petit peu au fil du diaporama, le handicap, il n'est pas toujours sévère. Et puis avec l'expérience, je m'aperçois que les enfants, ils ne veulent pas forcément être vécus et être pris pour des enfants avec handicap. Et du coup, souvent, l'adolescent va refuser aussi le dossier MDPH. Donc ça, c'est une réflexion, mais on peut aussi, à travers du PAP, avoir aussi les aménagements pour les épreuves des examens. Donc, à réfléchir. Et je vous laisse sur cette phrase d'Olivier Revol, qui est pédopsychiatre à Lyon, et qui travaille beaucoup autour des enfants avec troubles des apprentissages, de l'autisme, et qui dit « Les enfants 10 sont des enfants intelligents qui souffrent de ne pas pouvoir le montrer ni le prouver. Leur capacité d'apprendre est différente et leur volonté d'apprendre est identique. » Donc je vous remercie pour votre attention et je remercie encore la librairie Mola de m'avoir demandé d'intervenir.